Salut. Est-ce que je suis vraiment bien là? Attendez. Apparemment oui. Il y a juste un petit truc qui me fait croire que non. Le chat qui apparaît pas. Est-ce que le chat va apparaître maintenant? Ben non. Ben non, il apparaît pas. Ben je suis déception. Alors, sinon, on va faire son, comme si le chat allait apparaître bientôt. Salut à le chat, il est là. J'ai mis le chat sur ma tablette pour faire face à la caméra et tout. Et ben ça très bien. Alors, le premier qui a dit salut, c'était Blackdown. Non, Xeden le dieu peut-être. Tu m'as envoyé les MP sur Twitter, ok, c'est cool. Et ben j'ai un fond vert. Ouais, ouais, j'ai mis un fond vert, vous avez vu? C'est merveilleux, non? Vous allez bien? C'est. Oui. Ah, c'est bon, le chat est apparu. Ouais, tant d'émotions pour un fond vert. Si j'avais su, hein, j'aurais sorti ça bien plus tôt. Et ouais, ça fait pro, hein. On dirait franchement que, genre, c'est ma vie et tout. Mais en vrai, c'était pas si compliqué à installer, hein. Mais voilà, je l'ai fait enfin. Salut Faku. Bon alors. J'ai été très vague dans mon titre de stream parce que c'est encore très vague. Je sais que j'ai des summons, j'ai un craft de runes, j'ai des choses à faire. Mais il me manque les identifiants des personnes encore. Donc je préfère rien dire, on va improviser. Il n'y a pas la musique, c'est vrai qu'il n'y a pas la musique. Il manque des choses de toute façon là. En fait je me suis dit que la musique c'était peut-être pas si nécessaire que ça. Parce qu'on me la demandait pas très souvent. J'ai peur que le fait de l'avoir enlevé dans mon overlay, je vais me recevoir un milliard de questions. Quelle est la musique? J'espère que du coup. J'espère que. Voilà quoi. Ça va pas me saouler. Sinon, je la remettrai en vrai. Sinon, je la remettrai. A toi aussi, Mana. C'est quoi ta team du coup pour le DB10? C'est Noxt. Ouais, de toute façon, je savais bien qu'il y a des gens qui allaient troller, hein. Black Dawn, le premier, a demandé quelle était la musique. Salut, Wazy. Massman, ouais, carrément. Xelat, t'inquiète pas. J'ai 2 ou 3 ou 4 summons de prévu. Juste là, au début, à chaque fois, je blablate un peu pour laisser le gens de se poser. En fait, je sais que les gens, pour venir sur mon stream, ils ont tous grillé 17 feux sur la route. Ils ont roulé le plus de possible pour arriver pile à l'heure. Mais je comprends que des fois, ils n'arrivent pas à griller un feu. Et du coup, je leur laisse 5-6 minutes pour se poser tranquillement et commencer le stream. Là, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, voilà. Je prends le temps pour eux. Merci pour le sub, bestie. Merci, merci. Oh, c'est un tout petit, par contre, là. L'air de... Ah, mais c'est comme ça quand même. Et j'ai mangé un bucket de poulet. En plus, c'est merveilleux ce que tu me dis. Merci pour le sub, en tout cas, Messi. La chaîne te remercie. Et je peux crafter la rune. On va crafter ensemble, avant de commencer le PVP, la rune de l'event. J'ai encore. J'ai encore un dilemme. Je sais pas quelle rune prendre. C'est quoi cette beubare? Ah ouais, vous savez. Quand votre copine vous dit « Oh, j'aime bien quand t'as la barbe » et que tu lui dis « Ouais, mais j'aime pas » et qu'elle insiste, tu fais « Bon, allez, pour te faire plaisir, tu la laisses. » Et voilà quoi. Ouais, c'est si je m'écoutais, elle serait rasée depuis 4 jours environ. Mais bon. T'as vu, ouais, j'ai changé l'angle de la caméra, j'ai mis un fond vert. Non, mais on croirait que je suis un homme nouveau. La chakra de feu, tu peux voir mon soir farm est à jour. Getaku, j'ai mis mon soir farm à jour aujourd'hui. Genre vraiment, c'est j'ai passé quelques heures pas quelques heures, mettre un soir farm à jour ça prend pas quelques heures. Mais à changer l'overlay et tout. Pour un peu améliorer le stream. Et puis voilà quoi. Donc tu peux aller taper sur mon soir farm directement. Et après. Mana, tu dis speed Lucian pour cette team Necro ou pour autre chose? Parce que un speed Lucian, c'est un peu bizarre. C'est soit 2, soit 0, j'ai l'impression. Ou alors si c'est pour Necro, un seul à 160 speed, ça devrait marcher. Tu penses quoi de boomerang chakram haut en early? De toute façon, tu prends les chakrams, elles seront bonnes. Sans déconner. Hein. Tu penses que ça peut s'user dès une première team DB10? Ou vaut mieux attendre le NB? Honnêtement,
je pense que ça peut passer en DB. Si c'est bien accompagné. Parce qu'en vrai, le reset ATB de la feu aide à la tour. Mais il va te falloir un peu, c'est un stripper parce que t'arriveras pas à one-shot le boss. Il faudra quelque chose pour enlever l'immunité. Genre si tu fais Verde, Vero, Bella. Et les deux, peut-être ça marchera. Peut-être. Ah non, quand même pas, non. En early pour du DB10. Sans déconner, peut-être que ça marchera quand même. Hein. Peut-être que ça marchera quand même, honnêtement. Et t'as vu, Chibi, ouais, ça change tout. Hein. On croirait vraiment que genre j'ai streamé pendant 3 ans et que je me suis amélioré aujourd'hui. Tu pourrais me dire si la chakram haut est bien ou pas. Chakram haut, je la trouve un peu décevante. Enfin, pas décevante, mais son kit. On va les voir après, tu sais quoi, on va les voir après. Mais je l'ai pas trouvé si ouf, elle. Je crois qu'elle fait un truc parfait pour Nécro et pour Red. Elle met de l'anti-heal, du break def et un break attack, je crois. Donc en vrai, c'est un bon monstre Nécro, quoi. Alors, on va aller voir la rune. Vite fait, on va vérifier le kit de la Chakram O tout de suite, qui est là. Elle fait bien, donc elle cleanse, voilà, buff attack, et là elle fait... Merci pour le sub, Stark Angelus, merci. Rien à voir, elle fait pas ça en fait. Ça c'est là, j'ai confondu avec l'avant. Ok, c'est juste plus de dégâts. Ah non, mais pourquoi pas. Mais c'est assez particulier. Elle a le sort 3 qui est comme le sort 1 en fait. Pourquoi pas. Ah, je confie avec la boomerang mana. Ah, celle qui fait ça. Ah ouais, j'avoue, je suis con, ouais. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de chez vous. T'as vu Niftel, on ne reconnaît plus. Hein. C'est fou ce qui se passe. Et je crois que l'avant, elle a un sort 3 qui fait... Non. Bon, bah non, j'ai complètement fumé, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que je vais mettre le jeu en français aussi quand je stream, ce serait plus agréable. Et c'est ce que je vais faire, les gens. Très vite fait, je vais mettre le jeu en français pour que quand je vois les skills avec vous, ce soit plus facile. Français, ok. Yes. Quand t'as le mouvement rond avec, les dégâts sont énormes. Ah, je viens de croire, ouais. C'est vrai que la boomerang vent, elle tape très très fort sur le 3. Quoique non, je comprends pas en fait le combo que tu parles. Pourquoi la boomerang vent? La boomerang haut avec les dégâts sont énormes. Ah d'accord, ouais, en fait il y avait tellement de messages vent haut que j'ai confondu. Quand t'as la boomerang haut avec les dégâts sont énormes. Oui, parce que ouais, le passif de là-haut il est énorme, il est génial. Ouais, par contre Blackdown, je voulais changer les musiques. En fait j'ai les mêmes musiques depuis septembre. Non, décembre. Et en effet, faut que je change de musique. Mais c'est un peu chiant la musique, c'est toujours du copyright et tout. Ben ça sera pour le prochain stream, hein. Pour le prochain stream, je changerai les musiques. Ben, merci, ça va et toi, XMK. Alors. Merci pour le sub, Litex971. Ouais, c'est vraiment pas mal. 85% de dégâts en plus, c'est plutôt pas mal du tout. Bon, on va crafter la rune. Les gens. Ok, Xen le dieu, ouais, je t'ai déjà dit deux fois, merci. Je vais revoir tes logs après pour invoquer plus tard. Non, j'ai pas encore crafté la rune. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais faire win. PV pour 100. Mais je sais pas si je fais 4 ou 6. Ah. Je sais pas. Bon, j'ai pas français. Pourtant, mon deux jeux devraient en français là. Si, il y a bataille monstre en bas, tu vois. Bataille et monstre. Ah, c'est ma page event qui est pas en français. Mais le jeu, lui, est en français. C'est juste la page event. Donc, ouais, je vais prendre Will PV pour 100. Mais je sais pas si je fais 4 ou 6. 6, c'est un peu plus versatile parce que ça ira pour les gens qui veulent du dégâts crit, qui veulent du PV, qui veulent de la def. Mais d'un autre côté, des PV pour 100 en 4, en Will, j'en ai que 3. Donc, je me dis, il vaudrait mieux 4 hein, quand même. C'est vrai, Minissim. Mais est-ce qu'elle est copyright? Déjà, pas en 1. On va confirmer le Will. Yes.
Maintenant, on va faire 4. Je crois que je vais faire 4. Mais après, c'est chiant parce que si elle proc. Genre, taux crit, dégâts crit. Attaque pour 100. Attaque flat. Ça se trouve, ça serait bien. Mais au final, c'est nul. Ouais, je vais faire 6. Je vais faire 6. Je vais faire 6. C'est tout. Là, j'ai. Ouais. PV pour 100. Eh, hey, merci pour le sub, Unlucky Yazak. Allez, 6. Mais j'avoue que voilà, mon Ritesh, il aimerait bien une wheel en 4. Hein, alors que mon Ritesh, il a Némésis en 4. Mon Ritesh, il a Némésis en 4. Ouais, ça suit le fat, oui, merci. Merci. Merci, merci. J'étais tellement en train de penser, en effet. Ouais. Ça aurait été plutôt nul. Ça aurait été nul. Merci. Merci beaucoup d'avoir réagi aussi vite. Et je peux pas revenir en avant sur mon choix, non? Hein? Je peux pas redire. Oh bah j'ai choisi, non, j'ai complète, c'est bon. Bah fuck, ce sera en 6, les gars. Est-ce que les gens, avant que j'appuie là-dessus, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur les choix d'avant? Parce que moi je l'ai pas encore fait. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que je peux maintenant changer d'avis, dire 4 là? Est-ce qu'il est encore temps? Je peux pas? J'ai déjà un nom. Un nom. Non. Deux noms. Au troisième nom, je comprendrais que c'est vraiment non. Bon, ok, il y a un milliard de noms. Bon, bah c'est trop tard, on va faire payer pour 100. Allez. Sois cool, je veux. Vitesse. Taux crit. Je sais pas, tant qu'il y a vitesse, il y a plein de choses bien en fait. Qui vont bien ensemble. Ah, j'aurais dû continuer ma liste, j'aurais dû dire vitesse, taux crit, dégâts crit, attaque. J'aurais dû dire ça plutôt que laisser au hasard le. Bon. Là, je la réhab celle-là, elle est pourrie. J'ai été pas assez greedy. J'aurais dû dire plus, j'aurais dû dire toutes les stats que je voulais, j'aurais eu. Salut Sozouk, bah t'excuses pas, c'est la cool que tu t'as passé. Bon, on va réhab ça. Hein. Parce que dans tous les cas, je vais devoir la rap. Alors, je veux vitesse, taux crit. Pas dégâts crit, non. Vitesse, taux crit, attaque pour 100 et précision. Un truc qui irait bien sur un Tessarion. Allez, go. Merde. Bon bah hein, tant pis, je la réapprends un milliard de fois. Avec l'événement plutôt. Et puis voilà. Faut juste que je farme plus. Et d'ici la fin de l'event, faut qu'il y ait 4 bonnes stats. Et puis voilà. Non mais c'est nul les gars. Non mais les gars c'est nul hein. Genre ça à gauche. Attends, mon clavier il est pas assez gros. 2 secondes. Wow wow wow. Affichage, oh, toc. Voilà, c'est plus beau comme ça. Ça va serait. Quand j'ai la moitié plus 12, je vais avoir 2 proc raise et 2 proc HP flat. Donc ce sera nul. Ce sera nul quoi. Donc tant pis. Je vais continuer de la rival à un milliard de fois. C'était rapide. Ouais, si je voulais une slot 4, Nao, mais après, la raison m'a fait comprendre qu'en 6 c'était plus versatile selon les subs que j'allais avoir en fait. Parce que en 4, tout ce que je veux, c'est de la vitesse. Si j'ai PV en 4 sur un monstre en wheel, il n'y a que de la vitesse qui m'intéressait. Quasiment. Vitesse, taux crit, elle est à la limite. Alors qu'en 6, je peux avoir du taux crit, dégâts crit, speed, précision, enfin plein de trucs qui sont bien. Donc j'ai préféré prendre 6. Par exemple, cette rune-là. Cette rune-là, elle a atteint les 16 de speed au bout de 4 mois de réévaluation. Et elle n'arrive pas à monter plus haut, quoi. Donc bon. 900 mana, t'as vu? Non mais c'est la folie. C'est la folie. Si tu veux, on va même crafter une ou deux runes pour faire semblant. Pour descendre un peu mon mana. Et après, on ira faire mes GVG. Une ou zéro rune plutôt en fait. Ah ouais, aucune rune. Ok, j'ai rien dit. On va aller faire les GVG directement. Allez. GVG. On est contre God's Army. Et. Bon, ben, on a déjà gagné. Hein. Parce qu'on est une guilde, on est trop fort quoi.
Genre franchement Grégaire, c'est cool. Bah, je suis obligé de taper les verts parce que là on est dans une guilde en fait de blaireaux où tout le monde tape que les 3 et 2 et tout ça et personne tape les plus 0. Et qui c'est qui s'y colle? Eh ben c'est moi. Voilà, super. Bon en vrai les devs sont cool quand même. Les devs sont cool. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser? On peut faire du Budocopper pour absolument pas s'amuser. Et aussi on peut fail la pas copper sur le clair. Mais on va quand même le faire pour pas s'amuser. Parce que c'est rigolo de pas s'amuser aussi. Ouais. Un peu par moment comme ça. Y'a Dane Mouda? Il est où Dane? Ah oui, il a l'air en plus 2, t'as raison. Bon. Alors. Ça. On va faire un combat. On va essayer de pas s'amuser pour assurer une win un peu. Et encore, assurer à chaque fois que je dis ça, je perds après. Voilà. Non ni de taper les verts, reste rien, tu win même en tapant du rouge. Ouais mais par principe je vais taper un vert, tu vois, je suis le bon guildmate. Et ça en bas en vrai, voilà. On va faire les trucs très très safe. Enfin, tant que le Eladriel résiste pas à mon copper en fait. Enfin quand je dis résiste, ça veut dire il reste en vie quoi. What? J'étais pas prêt. J'ai cru que mon Immacity avait plus de runes là pendant un moment. J'ai... Merde, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai encore pris des monstres qui ont pas de runes, sérieux? Ok. Salut Vesper, ça va très bien toi? Enfin, Visper, enfin comme tu veux. Dis-moi comment tu t'appelles. Quel est ton blaze? Un peu par moment comme ça. Y'a Dane Mouda? What the fuck? Pourquoi est-ce que j'ai le retour de... Ok. Et sinon la forme, oui. La très forme. Tu penses que je devrais focus 6 team GVG viable ou Gored? 6 team GVG viable? Mec, t'as besoin de 2 team GVG. Hein. Plus que 2, en vrai, c'est vraiment un peu overkill. Sun. Ouais, genre... Oh, je voulais sauver mon Immacity, mais c'est pas grave. Du coup, on va pas pouvoir Budocopper pour les prochaines. On va devoir jouer des compos risqués YOLO hein, pour le beau jeu. Salut, Pli. Enfin, 2 teams GVG, c'est mais par contre des teams GVG qui gagnent, tu vois. Il faut que tu sois solide sur tes appuis quand tu utilises ta team. Oh, bordel. Salut, Mika. Ça va? J'ai peur là de rater tous mes crits et de pas gagner la TB. Bon, ça va. Ouais, cool, ouais, carrément, Sioz. Envoie-moi tes logs sur Twitter. Tu m'as demandé pour le craft des runes, mais je suis pas sûr que tu m'aies envoyé tes logs. Ou alors je les ai pas vus. Ce qui est aussi très possible. Parce que je sais pas lire. Tu veux pas mourir? En vrai, Amelia, c'est le. C'est pas le, mais c'est quasi le meilleur tank à Feng Yang en défense. Hein. En offense plutôt. Parce que Feng Yang va toujours le focus. La focus plutôt. Et vu qu'elle a la perma immune. Il n'y a aucun tour où elle a pas de. Le petit immunité un tour. Enfin, sauf là, parce que je vais enlever ses trucs. Et peut-être qu'il va défoncer ma Amelia, mais dans tous les cas, j'aurais gagné parce qu'il n'y aura plus le heal sur sa tête. Stun. My bad, j'aurais peut-être voulu le tuer plus vite que ça. Mais il continue de focus Amelia comme un con. Il est un peu très con par contre là. Je vous avoue que là je suis un peu déçu de l'intelligence du Feng Yang. Un peu déçu. Alors maintenant on va faire des teams où c'est risqué. J'avoue Rina tank bien, j'avoue. Non ouais, j'avoue. Ouais. Rina. On a gagné le GVG, je peux taper des plus 2 et des plus 3. Je vais taper Dane parce que Dane c'est un mec que je connais et qui a des bons runages. Il est plutôt bon, Dane. On dirait que c'est des copper traps, un peu.
Mais dans tout le cas, j'ai pas joué Copper. C'est trop nul. Sur la compo Fengyang, Wusa, Laika. Je sais pas. Enfin, de toute façon, c'est une compo que j'avais déjà avant. En def, en un petit moment. Mais moi, mon Laika est ruiné comme de la merde. Donc forcément, ça fait pas beaucoup de win. En vrai, en bas, j'ai envie de... En stripper... Ah, j'ai Triton. J'ai Triton en stripper. Mais ça va pas faire grand chose. Mais c'est quand même, j'ai Triton donc on est actuellement. Voyons voir, est-ce que Triton, tu pourrais bricoler un truc autour de Triton? Mon Ritesh, il manque encore des skill-ups. Salut Mifniz, ça va très bien toi? Mon Ritesh, il manque des skill-ups encore. Comme par hasard, vous voyez, dans les deux derniers de chaque. Donc c'est chiant. T'as ruiné au Liong? Ouais, elle est ruinée au Liong, mais pour l'arène. Trop squishy pour du JVG. Test ma def en offense. Sur vous, ça c'est chiant. Par contre, ouais, en haut, je vais Lucien. Parce que c'est toujours agréable. Après, si sa bassette est très rapide, je suis très mal parce que mon Okonamiya est pas en wheel. Mais pour le beau jeu, on va essayer de Lucien un Eladriel. J'y crois bof. Mais c'est pas improbable. Et en bas, qu'est-ce qu'on peut faire en bas, sérieux? Je suis trop habitué à Copper, genre de truc. Casse-toi la musique. Elle m'a saoulé là. Deux secondes. Pourquoi ça marche pas? Deux secondes, il y a un problème avec mes raccourcis de musique, bon tant pis, c'est pas grave. Je le ferai manuellement. Et en bas, non, ça marche pas ça. Ça marche pas du tout. On va essayer quand même Triton. Si, on va essayer Triton et les deux jumelles. Parce que c'est plus rigolo avec les deux jumelles. Peut-être la haut serait plus adaptée. Pour taper... Non, la feu elle est trop bien. Si je vois qu'il y a une des deux jumelles qui meurt les mecs, j'annulerai le combat. Pour les sauver, pour essayer de les utiliser après. Salut Creevapeur. Oh c'est bon, mon Bernard il est outspeed. Ça c'est bien. Pour l'instant. Tant que mon Lucien arrive à tuer la basse tête. Ouh chut. La Sierra elle est plus tanky que sa basse tête. C'est assez surprenant. Peut-être tuer lui. Ouais. Est-ce que je peux peut-être la stun? Ouais, oh bien joué ça, putain, ça c'est vraiment bien joué. Ouais, mais je pense que ouais, je pense que vraiment que la Lucien, non, que le Théomars va tuer mes jumelles très très vite. Donc, je pense que ça va perdre, malheureusement. Malheureusement, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de jouer les jumelles. Parce que c'est les mobs qui sont récents. Alors, si ça passe, c'est encore plus le beau jeu. Oh shit. Il faut que tu me... Bah faut le faire dans tous les cas hein. J'aurais bien voulu qu'il fasse l'immunité plutôt. Non c'est pas ça que je veux faire. Ok. Please. Il faut que tu stun Théo. Excellent. Tu n'as pas stun Théo Mars. Mais après la... Elle stun, donc tant qu'elle pop l'endure et qu'elle le stun, c'est gagné. Oh, qu'est-ce que c'est pas... Oh, c'était... Elle a pas pop l'endure, sérieusement. Oh, et bien sûr, il sort du stun comme ça. Attends, est-ce qu'elle va mourir? Si je vois un proc... Mais je suis foutu. Je suis quand même foutu. Fais chier. Parce que... À moins que je proc. Faut que tu stun. Il faut que tu stun. Mec. Triton, t'es en despair. Je vais mettre en x1. Pour faire pause après. Fuck, il a pas. Il a pas stun. Ça se trouve, je peux encore gagner.
Mais là, s'il proc, il tue les deux. Vous pensez qu'il va focus qui? Zeno, si tue que la feu, ça va. Mais si tue l'autre, c'est... Ah non, je suis con, c'est ma seule sacrame. Il faut qu'il proc pas après avoir tué Zenobia. Il va sur qui là? Il va sur la feu. Merde. Là, il va sur la feu, non? J'ai pas le temps de faire pause, fuck. Il est sur l'avant. Pas de proc? Fuck. Fuck. Il faut que tu quittes. Ok. What the fuck? Non. Je vais... Ouais, elle va mourir là. Ouais, elle allait mourir. Est-ce qu'elle a encore envie? Est-ce qu'elle a encore envie, sérieux là? Non, il me la faut. Il me la faut pour jouer contre... Attends, j'ai pas envie de faire du raid, moi. Une autre team où ça peut bien marcher. Ah bah ça, tiens. En vrai, contre ça, ça marchera. C'est bon, elle a encore envie. Donc tout va bien, les gars. Plus de frayeur que de mal. On va jouer cette team, là. Ça marche bien. Ok, hop. Je pense que ça marche bien. Oui, ça marchera, ça marchera. Et en haut... Bon, on fait ça. J'espère que son like est pas très tanky. J'espère. Dis-moi que tu prends le breakdev déjà, Laika. Ouais. Et dis-moi que t'es pas trop tanky. Non, ça va. Ok. Et maintenant, tu crites sur Etna, please. Pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plus de combat après. Donc, c'est bon. Une moi avec 17 HP, 1k5 attaque, 50 de speed, etc. etc. Elle manque un peu d'HP. Et t'as pas dit sa def. Ok, proc autant que tu veux. Salut Sparrow. Toi, fais... Ok, c'est bon. Alors, qui est-ce que je veux focus en premier? Kumar ou l'autre à gauche, là? L'autre à gauche, ouais. Après, je peux peut-être faire le kill sur Annabelle aussi. C'est très, très judicieux. Non, je vais faire l'autre à droite, là. Parce que les deux vont crit sur lui. Oh bah cool, j'ai rien dit. Par contre ouais, ça a manqué de crit un peu. Et là je vais prendre des stuns. Je déteste cette mécanique de proc violent après le sort 3. On dirait que c'est innate. Bon c'est bon. Si Annabelle me solo par contre j'ai vraiment le seum. Mais j'aurais vraiment eu le seum. Bon app, Xeden. Bon, on a pu jouer un peu. On va prendre le vélin de la Ciara. Parce que c'est ce qui va se passer, je vous le dis, les gars. C'est le vélin de la Ciara, celui-là. En stream, devant tout le monde. Hop. Éclair. Dommage, elle est patrouilleur. C'est presque la même image. Je suis un peu déçu, du coup. Là. Je vous l'avoue que je suis un peu déçu. Ah, ça me coule ça. J'ai un souci technique. Je sais pas pourquoi. Pas grave. Enfin, dommage, c'était pas une Ciara malheureusement. Non, elle a une sale tête, ma Ciara, ouais. Elle a un peu trop mis make-up. Elle a suivi les tutos de... Une youtubeuse très peu connue. Ça s'est mal terminé. Et ouais, j'ai un bug avec le son, c'est chiant. J'aime bien changer de musique avec un bouton sur mon PC. Là, ça marche pas. Pour une raison totalement inconnue. Salut Dark Zeg. Non, Dark. Merde, j'arrive pas à lire son pseudo. Dark Zeg.
Oh non, mais tu t'es vraiment appelé comme ça, mec. Tu t'es vraiment appelé Darksgeg. Mais non. Y a vraiment plus de respect. Y a vraiment plus de respect, putain. Oh, classique, classique, classique. Ah, bien sûr, il va me sauter toute la terre aussi. Il est en désespoir ou quoi, ça lui. Oh, mais j'en peux plus de ces conneries. Hey, merci, Zverd. J'ai déjà utilisé la vie de lui là, non? Donc je vais reset lui pour le break def. On va pouvoir mettre ça sur lui. Et on va devoir focus l'autre truc débile à droite là. Bah cool les Xerox. Ouais ouais, faut que je m'applique un peu tu vois pour mes vidéos. Il faut juste que je m'applique, c'est tout. Que je prenne le temps de faire mon setup plutôt que de record comme un sauvage. Mais merci en tout cas d'avoir... bref, d'encourager la démarche quoi. On essaie d'améliorer le stream petit à petit, hein. Rendre le truc plus plaisant pour vous. Comme pour moi en soi, hein, c'est quand même plus plaisant pour moi de faire du meilleur contenu. Salut Thibaut. Aucune idée. Wesh la treat Overwatch. Aucune idée s'il a 50 HP. Et je sais même pas de quel monstre tu parles. Bon, on va essayer Lucien, j'en ai marre. J'en ai marre de faire des teams avec Alicia, tout ça là. Est-ce que Xingze est chaud à runer chez Zou? Bah, il faut qu'il soit très tanky. Et avec du dégât crit, en très gros pour moi. Et un peu d'attaque. C'est pas le monstre le plus dur à runer, mais il a besoin de quelques stats quand même. Ah merde, Morgan il est plus runé. Je l'ai runé pour la vidéo les gars. Mais j'ai pris des runes de Lucian pour le runer, donc maintenant il a plus de runes quoi. Kumun, Teura, Kuni et Xingze, Shen Chandra en offrant GVG. Kumun, Teura, Kuni, ouais c'est pas mal je trouve. L'autre, je suis pas fan, tu vois. Je suis pas fan de l'autre. C'est bien, Rem 6 Saturn, tu m'as dit un truc avant que j'ai pas vu, sans faire exprès. C'est quoi ces conneries? Pourquoi ça marche plus? Ça me rend fou. Pas grave. Mais chez tout, Romé, Rakan, t'as le FRR à chaque fois. J'ai jamais eu Rakan, mec. De quoi? J'ai pas Rakan. 832 death, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, du coup. Pour du R4, ça tiendra. R5, ça sera trop léger en PV. J'ai pas compris ta phrase, Romé, Rakan. Ah, tu dis au revoir? Bah ouais, bah au revoir. Merci d'être passé. Est-ce que je vais perdre contre un Rakan là? Non. Je viens de crafter la rune les mecs, mais il faut que je l'arrive à lui plein de fois parce que j'ai eu que deux bonnes substats sur les 4. Donc c'est pas ouf. C'est... Je sais qu'en la montant plus 12, je vais avoir 2 proc res et 2 proc PV flat. Donc autant pas la garder. J'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. J'aurais pas dû faire ça. Première team NB10, ça dépend de tes monstres. Hein. Bon. Ah, j'ai un peu peur de Lucian ça en vrai. Parce que s'il a pris à cut. Oh non, je suis con. On fait ça. Tu ferais quoi en first 40? Lucian, Charlotte ou Rak? Ou Verkri ou Vero? Oh, je pense que j'aurais fait Lucian. Parce que j'aime bien Lucian. Et parce qu'il est facile à utiliser en vrai. J'aurais peut-être dû faire Kabi hein, à la place de Bernard. Ah non, c'est con, Bernard est mieux, il fait speed. Bon, dans tous les cas, ça cut pas.
T'as fait quoi comme rune? J'ai fait PV pour 100 en 6 will. Théo Chazun Wadam, bonne def. Non. En vrai, tu copper. Oh, en gros, si. En fait, tu copper Wadam, tu buildo Chazun. Et après, il fait pas un 1v3 le truc. Mais quand même, ça va emporter avec lui un monstre ou deux de la team adverse, donc pourquoi pas. La boomerang haut en nécro sans chakram, c'est pas viable, on est d'accord. Non, en fait, les boomerangs et les chakrams, vous faites pas chier à les jouer si vous en avez qu'une. Ça sert un peu à rien. C'est comme jouer un Lucian sans buff attack en gros, vous voyez. C'est un peu bizarre. Eh ben les gens, bon, je vais me forcer à faire un peu d'Arter. Spécial League là, j'aime pas ce mode, mais bon, on va en faire un peu. Je suis G1 étonnamment, tiens. Sans faire exprès, j'ai dû passer G1. On va jouer avec Reno, parce que le dernier combat, j'ai joué Reno et c'est un peu rigolo en vrai. Il nerf Lucian, genre il enlève le break def. Il fait pas break def Lucian. Qu'est-ce que tu me dis, Alexander? Alexandre plutôt. Alexandreur, ah merde, c'est le piège. Shazaki, il est fort, Shazaki. Mais on s'en fout, on va mettre Bastet. Ah, il joue des compos ignore def comme ça. Ok. Je vais prendre ça et je vais prendre Lucian, tiens. Du coup, vu qu'il joue ça, ses monstres seront pas trop tanky, j'imagine. Non, on va jouer l'autre Lucian. Qui est où, l'autre Lucian, d'ailleurs? C'est celui-là. Ah, il est comme ça. Ok. Il a le droit d'être comme ça en soi, hein. Il a le droit. C'est si, il était au tournoi, hein. Que j'ai cast, c'est pour ça que... Enfin, même il était au tournoi aussi, organisé par Come2Us. Donc en soi, c'est pour ça que je savais qu'il était fort. Et en bas, on va jouer ça, parce que c'est rigolo ce genre de team. Si j'avais un vrai tryhard, je remplacerais les runes de Bernard et de Tiana. Et comme ça, je ferais Tiana à la place de Bernard. Mais puis on va le faire, vous savez quoi? Allez, on va le faire. Vous savez quoi? On va le faire. Allez, on s'en fout, on va le faire. Bon là, je suis obligé de kick L, là. J'ai oublié de kick Lydia, mais après s'ils sont Immacity avec lead 33 outspeed mon Bernard, ce qui en soit très possible, bah c'est chiant. Mais Lydia d'un côté elle va cleave ma team toute seule en fait. Donc c'est chiant. En vrai Lydia c'est trop chiant. C'est trop chiant Lydia. C'est hyper chiant. Il va kick Bernard lui. Je pense qu'il va kick Bernard. C'est ce que j'aurais fait à sa place. Ou le lead speed. Soit Bernard, soit Shaina il va faire. Et il gagne s'il fait ça. Les runes de Bastet sur Megan. Ouais, ça serait bien ça, honnêtement. Ce serait pas dégueulasse. Voilà, il kick bien ça. Et il kick le speed. Et là, du coup, il va pouvoir tuer tour 1 mon Lucian. Et j'ai perdu. Et c'est chiant ça. Il me faudrait 2 Lispeed. Il me faudrait 2 Lispeed. À moins que son MC6 soit pas lent. Soit rapide. Non, mais si, il est lent. S'il fait du tryhard de ce mode de jeu, à jouer. Rien qu'à jouer en fait. Rien que jouer hors stream à ça, il faut tryhard. Pour le faire. Non, parce qu'il me try, puis il connaît pas, il comprend pas ce que je dis. Et en gros, pour faire ce genre de mode de jeu hors stream, c'est-à-dire qu'il a ruiné les monstres pour et que son Immacity est plus rapide que mon Bernard. Si j'ai mis les runes de Bernard sur Tiana, t'as plus cette étoile. Ouais, mais si je mets les runes de. Comment ça s'appelle? Bastet. Ah bah non. Bastet sur. Comment ça s'appelle? Fuck. Megan, j'aurai cette étoile. Est-ce que je tue au moins le bulldozer là? Parce que surtout lui qui me fait super chier. Ok. Ça me surprend par contre qu'il. Qu'il m'outspeed pas avec un lead 33 sur Immacity. Tout en faisant ce mode de jeu en fait. Où est ta faille? Ouais, j'aimerais bien une faille. Ouais. Théo, tes chars, Galon, Tiana, ça passe? Bah ouais. Ça dépend de tes runes, hein. Ça va pas dépendre de tes monstres à ce niveau-là. Hein. Tu me dis 4 monstres, ça va passer. Ah merde, j'ai pas changé les monstres et je joue contre le même. Donc il a pris Pick Bastet. Et j'ai pas de bot buff attaque. Merde.
C'est gênant. C'est gênant, les gars, là. C'est gênant, j'ai pas pensé à changer les runes. Ah merde. Ah, le malaise. Le malaise en direct à la télévision. On va faire ce que font les gens. On va changer. Merde. Bah, c'est un peu mon pic vital à ma team. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'improviser. On va essayer d'improviser. Kata est pas runé, dommage. Kata est pas runé. Il faut me mettre une grosse baffe si avant le prochain combat, je pense pas à runer mes monstres. Et à perdre 600 000 de mana. Non, plus que ça même. Plus que ça. Samad, Frégat, Rita, Juno, t'en penses quoi? Pourquoi pas, ouais. Angeles. Pourquoi pas. Il veut me Lucien? Et en dernier, je vais mettre un 5 nat. Un truc tanky qui le fera chier. Je mettrai, je sais pas. Un Feng Yang au pire. Non, c'est con parce que je vais laisser Lucien. Un Ritesh. Ouais, grave, je vais laisser Lucien, je vais mettre Ritesh à la fin. Ritesh, c'est pas ouf, mais d'un côté, il a pas de sustain, il a rien en face là. Moi, je quitte Tessarion là. Ah, c'est chiant par contre ça. J'ai quand même kické Tessarion. Je vais kické Tessarion et je vais mettre un truc qui marcherait bien contre tout le reste là. Vu que je vais laisser Lucien, il me faut un truc bien tanky quand même. Et qui résiste à Lucien et Buldo en même temps. On va mettre Ritesh. On s'en fout, je kick ça. Grégo, ça aurait été très bien Grégo. En effet. Sniping Swag, t'as vraiment trouvé la résolution. J'aurais dû mettre Grégo là. J'ai pas réfléchi, j'ai pas assez bien réfléchi. Et si je perds ce combat, je mets Ritesh au stockage. Verad, il se fait Lucien. Les mecs, Verad se fait Lucien. J'ai pas leader skill, bon c'est pas grave. Feng Yang se faisait Lucien. Il me fallait un truc qui résiste à Lucien. C'était le game. Woussa? Non, mon Lucia il est en vitesse def actuellement. Et ouais, Wedre, c'est aussi pour ça que j'ai abandonné l'idée de... Enfin j'ai pris Ritesh parce que c'est mon monstre le plus tanky actuellement. Et vu qu'il est en Nemesis, il va cut après Lucien. C'est ça le plan. Je l'ai dit à personne. Ah il n'y a pas cut, il y a Bernard plus Bastet. Oh si, il va... Mon... Qui a du shield dans ma team? Konamiya, oh quel gros con. Bon, mon Konami est mort, de toute façon. Vous avez vu? Du coup, c'est à Ritesh de solo la team. C'est à Ritesh de solo la team. Et vu qu'il a pas de buff def, eh ben t'es baisé. T'es pas baisé, en fait. Fais chier. Il est pas baisé, merde. Hop, toi, refais ça pour un break def. On va taper sur... Ah, je vais peut-être faire bulldozer. On va voir qui va prendre le break def. Salut Nozitroot, ça va très bien toi? Bon bah cool, je peux sortir lui de l'équation. Bon, je pense que mon... C'est pas bon signe en fait tout ce qui se passe là. Parce que mon... Ritesh ou Rakuni va mourir. Très certainement Rakuni. Ouais, très certainement Rakuni. Mais en vrai, si je provoque, pas du tout. Combien de sites pour Stella? Si tu veux qu'elle fasse les 7 coups en DB10 avec Lead Verde, je crois qu'il lui faut plus 80 de speed, un truc comme ça, je crois. Avec le bâtiment level 14. Qu'est-ce que... Pourquoi tu me dis ça, Eras 14? Pourquoi tu dis que je suis vieux? Merde, en fait, je suis mal là. Je suis mal.
Parce que mon truc va être permastun là. Et il proc pas mon Ritesh, les gars. Ah ouais, ouais, je suis un peu vieux, ouais, avec une barbe, ouais, j'ai... Bon, je suis pas encore... j'ai encore plein de cheveux sur ma tête. Pourquoi il proc pas mon Ritesh, les gars? Ah, mais il va soigner dans le vent. Provoque. Dommage. Je crois que je vais perdre. Je crois vraiment que je vais perdre, les gars. Il m'aurait fallu peut-être le Kmoud dans Desper. Mais après, il était plus squishy. Mets-moi ce breakdev sur l'autre à droite, please, please. Oh, le proc qui enlève le breakdev, qu'est-ce que t'es beau. Il a fini par proc, hein. Il a fini par proc, mon Ritesh. Mais j'avoue que plus le combat dure et plus mon Ritesh est pur à la merde. Et elle m'emmerde, Bassette, hein. Elle m'emmerde vraiment. Elle m'emmerde vraiment en fait là. Est-ce que je tape dans le shield pour rien? Après si je peux proc peut-être. Ah, je pense vraiment que je vais perdre là. Mais ouais, sans skill up, Ritesh, c'est chelou. Ouais, c'est. Je suis d'accord. Est-ce que je peux proc toi pour l'HV? Non. Fuck. Bon, bah j'ai perdu. Peut-être que j'aurais dû provoquer la Bastet plus tôt. C'est vraiment hyper fort, hein, Buldo. Bon, c'est perdu. Ça rien de continuer. J'aurais, dans tous les cas, à la fin, j'aurais fait que des glancing sur Bastet, etc. Donc, pas rigolo. On va aller reruner Bernard, Bastet, etc. Mon mana, j'en ai un peu rien à faire, de toute façon. On avait dit ça. On inverse Bernard et Tiana, ouais. J'aurais pas assez. J'aurais pas assez après. Ouais, il me faut 1,2 million en fait. Mais si, carrément dans Zitroot. Ah, j'aurais pas assez. Parce que. Ah si si, Megan elle a... Oh, j'ai mis des runes tout à l'heure sur Megan, en plus je m'en souviens. J'ai mis des runes tout à l'heure sur Megan alors qu'elle avait pas de runes. Ça serait passé sinon. J'ai mis des runes juste pour le... je sais pas quoi, ça. Bah, il y aura pas cette team les mecs. Hein. On va continuer de faire des teams d'escrocs. Tu penses que ça passe si je fais que Megan et Bastet et qu'ensuite, en gros, Tiana. Oh ouais, pourquoi pas, tiens, allez. On va juste faire Megan et Bastet. On va écouter ce que dit Nissim. On va inverser Megan et Bastet. Bah, elle est lente du cul, elle. Mes monstres seront hyper lents, hein. Ils vont rien outspeed. Mais c'est pas grave. Ok. Voilà. On va faire ça, les gars.
Mais c'est quoi ta question du coup, Nozitrout? Faut que tu me le rappelles, hein. Salut Fadarella. Mon Bernard, non, il a plus de 200. Dafuk. Et là, mon compte est ban, pour une raison inconnue. Ça fait toujours peur, hein. Quand on voit ça, on dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que moi, je suis vers le lobby? Et là, ils me disent, non, on vous a déconnecté pour vous offrir un pack de 1 milliard d'euros. Ah, merci, c'est super sympa, ça. C'est gentil, j'ai pas mérité tout ça. Genre, on vous donne 50 V1 LD pour avoir un proc, un fake. Oh, je suis mauvaise langue. Aucune idée, Vitalis. Les musiques, là, je les ai enlevées, mon overlay, et je me rends compte que j'aurais jamais dû les enlever parce que je vais recevoir 53 fois cette question. Et c'est triste. Ouais, c'est triste. J'ai failli faire, les mecs, j'ai vraiment failli faire First Pick Bastet. Et j'aurais été con. Oh putain, j'aurais été con. T'es où, Megan? Megan, t'es où? Kabia, le mec est comme ça. Tiana, t'es où? Tiana Luchen. Est-ce que je mettrais pas mon slow Luchen en fait, les gars? Vu que dans tous les cas j'aurais des boosts ATB hyper lents. Autant faire ça. Autant mettre le slow. Salut Citizen! Non, non, c'est bon, j'ai des runes sur ma Mégane. Par contre, qu'est-ce qui. Lui, il va être rapide. Lui, il va avoir des vraies runes. Lui, il va vraiment avoir des vraies runes. Et ça, c'est problématique. Moi, je suis obligé d'enlever Kabia. Ah non, il a les speed, dans tous les cas, il va me défoncer. J'ai beaucoup de viewers, c'est cool. J'ai combien de viewers là? Oh. En fait, voilà. Cette team, elle a un sens que si j'ai des monstres très rapides, et là ils ont 252 speed, donc forcément ça marchera pas. Je suis obligé de kick ça, non? Mais non, j'ai jamais 3500 viewers, les gars, pas possible. Chakram haut et Mourang haut. Super fort les deux, et elles marchent très bien ensemble. Marchent très très bien ensemble. Donc là, j'ai perdu. J'aurais peut-être dû enlever Kali plutôt. J'ai un peu été con. Bon, j'ai perdu. Bon, les gars, on va zapper ce combat. J'ai perdu. Un milliard. Un milliard. S'il y a un milliard, je vais avoir des trucs d'ouf. Hein. Les mecs, s'il y a un milliard de viewers, vous le savez. Hein, je vais invoquer des trucs d'ouf pour les gens. Ils vont trop être contents. Ah oui, Nozitrout. C'est vrai ça. Désolé. Exactement. Je vois le MP Discord et tout. Merci pour le sub, Onyx. Tu aimes ce que je fais? Merci. Le mec, il sait bien répondre au compliment. Ah ouais, merci, ouais. Merci, c'est cool. Par contre, pourquoi est-ce qu'il me donne pas d'adversaire? Parce que je pue la merde. Bon alors. Ça m'emmerde de jouer une compo outspeed avec des monstres à 252 speed. Ça me chagrine un peu quand même. Salut Zajian. Donc je mettais. De toute façon, il va jamais jouer Tiana lui, non? En vrai, on peut y aller franco, hein, il va pas jouer Tiana lui. C'est lequel? Non, c'est lui-là. Pourquoi tout le monde joue Kali? Parce que c'est fort. Ah ouais, c'est pour ça. Je me disais. Ah, c'est pour ça.
Bon, je vais devoir. Là, je suis obligé d'enlever le boost ATB en face, c'est-à-dire Orion. Et merci Dante. Si ça plaît, s'il y a beaucoup des bonnes réponses de la communauté, ben j'en ferai plus. Ouais. Des fois, je commence des phrases en anglais. Genre, je vais dire response et tout. Et... En fait, ça n'existe pas en français. Donc là, il va mettre un Kmoon ou un autre truc feu, bien relou. À quand les summons? À quand les summons? J'ai un sans-farm. Hein. Tu tapes mon nom, tu trouveras mon blaze. Ouais. Parce que son Orion va forcément speed ma team. Et j'ai pas envie. Ok. Merde. 148. Non, c'est bon, Mathien a joué avant. Donc là, ça devrait pas trop mal se passer, honnêtement. Les summons, ce sera dans un petit moment. Genre là, il est que 21h. Et vu que j'ai un des summons et craft, mais je pense que je vais commencer d'ici un ou deux combats. Alors. C'est quoi ton suite? C'est un suite tout basique. Il n'y a pas de marque. Alors, qui est-ce que je focus? Lui, Rakuni, là. On va tuer ça d'abord. Merci pour le sub, Trixian. Oh, j'ai pas tué. Oh, ma... la déception d'un homme qui ne tue pas. Je vous dis, c'est réel. Hein. Ah, c'est réel ce qui se passe là. Oh non. Oh, je suis déçu. Mais tant qu'il proc pas le perna, ça va. En vrai, ça va. Bon, c'est bon, ça va. Mets un dot là. En vrai, ça va que sa team était pas rapide. Parce que mes monstres sont quand même assez lents. Salut Tourny. Et là, je proc Vio pour le tuer au moment où il revient à la vie. Ah, tristesse. Tristesse, déception. Et là, il proc, il me tue mes deux jumelles. Je le seum. Ah oui, c'est bon, il tue rien. Et là, t'es déçu parce qu'il n'y a rien qui tank un combo de jumelles. Il n'y a vraiment rien qui tank ça. Avec la réduction avec TB, non, mais c'est trop beau ce qui se passe. Bon. Sur le papier, la team est bien, mais mes monstres sont pas ruinés pour quoi. Il n'y a pas un tryhard assez insensif de la part du joueur français. Il faudrait que je rune bien les monstres pour ça quoi. Mais bon, flemme. Si une des chakras me revanche, non. Ça ne marche que pendant leur tour en fait, quand ils utilisent le sort. Alors, on va mettre ça et ça. Tiens, force pick, ça me paraît bien. Comme ça, il peut pas le prendre avec Sukunamiya. Même s'il allait certainement pas prendre Lushen. Au moins, je me fais pas pique. Vu que ma strat repose sur Lushen, c'est un peu con s'il me fait voler. Merci Thibaut. Je suis obligé d'enlever Ganymede là. Parce que mon Lushen n'est pas en wheel. Et si lui, il est en swift, plus rapide que tout ça, eh ben, je me fais baiser. Salut les circoncisions. Comment surruiner mes jumelles? Elles sont ruinées en violente lame pour elle, comme ça, pour Nécropolis. Et elle en violente shield, comme ça, pour Nécropolis aussi. Là. Donc là, je joue avec des monstres PvE. On va faire ça. Un provoque, non. Ah oui, un provoque, oui, par contre, oui. Provoque, c'est pendant son tour, donc oui. Ça va prendre le truc. La boomerang light peut jouer avec quelle sœur? N'importe laquelle. La boomerang light, elle est trop OP. L'idéal, c'est Shaina. Quand même. Mais sinon... vraiment, tu prends n'importe quoi avec la boomerang light, ça marchera. Salut, Nordef. Musique, please. Cette chanson s'appelle Inside Out. Inside Out. Nop your drop and... Il faut que je mette les musiques sur mon stream, j'avoue, ouais, non. Ok, désolé. Vous ne trouverez pas les musiques sur ce stream. Il n'y a pas assez de place sur le stream. Je voulais... bon, voilà. J'arrête de parler.
Mets un break def sur elle, sur lui plutôt, et achève-le. C'est trop fort, le break def stun AOE de Shayna, c'est mais genre mais trop OP. Hein. C'est n'importe quoi ce mob, c'est génial d'ailleurs. Bon, il a donné un buff attaque, etc., etc. Mais j'ai buff def, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai buff def et réduction de dégâts de la boomerang O. Donc en soi, il avait à peu près aucune chance. C'est trop fort. C'est trop fort. Ouais, j'ai vu le replay, les Yong Yong. C'est un killmate à moi. Enfin, c'est un killmate tout court. On dit pas à moi après. Allez, prends-toi un stun aussi. C'est trop fort. C'est trop fort. En ligue spéciale, les jumelles, on peut vraiment s'amuser avec. Hein. Bon. Les gens. Allez, on en fait un dernier parce que même si je perds, chaque MG1. Par contre, mettre Lugen alors qu'il commence par Rakuni, c'est un peu chelou. Je pense que vous êtes d'accord. Parce que s'il met que des trucs feu après et qu'il m'enlève une des jumelles, je serai dans la merde. Donc je pense que je vais plutôt partir sur Tiana. Et au pire, je mettrai Reno en last pick. Reno, hein, le bon maître des dés haut. Là, s'il met Garo et... Mets Garo, s'il te plaît. Comme ça, on met Reno. Allez, allez, mets-le. 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 Allez. Mets Garo. Mais... Ah, oui, Garo, bien. Je vais mettre ça et ça pour l'instant. Et sinon, comment je runerai les trucs déjà plus rapides que ça, parce qu'elles sont pas assez rapides, je trouve. Et violent wheel. Voilà, elles sont pas en wheel, donc c'est chiant. Et maintenant, soit il met Lushen, Konamiya. Ce serait pas con ça, Lushen Konamiya. Ou Chloé. C'est vrai que s'il met Chloé, c'est pas con du tout, il kick Tiana et je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'il va mettre? Que va-t-il mettre? Grégo Anavel. Ah, il veut tanker. Il veut tanker, ok. Bon, on va mettre ça. Il va très certainement kick. Je sais pas ce qu'il va kick. Pour l'instant, moi je kick Anavel, je pense. Ou je kick lui. Ah! Eh, salut, Hotbubble. Hotbubble, ça ou Grégo? Ah, Grégo. Ou Frégate. Non, parce que Frégate va mot speed et c'est chiant après. Ouais, non, j'ai pas envie qu'il m'outspeed. Ouais. Parce que j'ai pas de wheel sur mes jumelles. Donc en gros, s'il m'avait outspeed, il aurait fait Frégate, Break Def et après Garo aurait tué une jumelle. Et ça, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo du tout. Par contre, il a bien joué. Ah, il a bien joué là. Ah, c'est gênant. C'est gênant parce que mes vues, mes monstres sont pas en wheel. Comme je disais précédemment, si je les runais pour RTA, elles seraient en wheel. Eh ben, elles vont fondre là. Elles vont fondre. Merde. Ah merde, c'est très gênant là. C'est très gênant ce qui se passe. C'est hyper gênant. Ah, oh, c'est gênant. Il va me stun ma jumelle, ce con. Ou mon Lushen. Certainement, mon Lushen. Bon, ça, il a pas stun. En vrai, il peut tuer mon Lushen, j'en ai rien à foutre. C'est pas Lushen qui va cleave sa team. C'est mes petites jumelles. Qu'est-ce que le Hive 1-1? C'est là où tu vas contacter le support pour avoir des nouvelles en fait. Me sleep pas ma team. Non, 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 non. Me sleep pas toute ma team avec le sort 1. Ok, il avait peur. Bon, bah, je vais faire ça. Est-ce que je peux réduire ATB des autres trucs? Il va certainement tuer mon Lushen. Mais c'est pas très grave. Ouais, je vais faire ça pour le tuer lui. Mais j'ai un peu peur quand même là. Je vous avoue que là, si il proc. Oh, je l'ai dit. Si il proc et qu'il donne le tour à Grégo, je suis dans la merde. Et il a pas encore de dispo? Si, mais voilà, exactement, voilà. Si il proc et qu'il fait ça, eh ben je suis dans la grosse, grosse, grosse merde. De merde. Oh, caca, le caca. Il va m'endormir ma team. Il va le faire. Il va y arriver.
Il n'y est pas arrivé. S'il m'achève ce truc-là. Bon. C'est quand même tendu des fesses de des choses là. Il faut que tu kills. Non! La déception! Oh la déception! Bon, j'ai perdu. J'ai perdu. La Navelle a retourné le game en vrai. C'est un peu la Navelle la MVP là. Ouais, ça Navelle la MVP. Bon, Grégo aussi, mais surtout Navelle, je pense. Le break def AOE m'a sur le. Tain, elle était 1500! Pourtant, c'était pas loin de l'avoir lui. C'est combien 1500? 1500, c'est quoi? C'est G2? Il était quoi, G2 ou G1? J'ai pas fait attention, il devait être G2. Pas fait attention. Bon, les gens, après ce petit fun, on va aller déjà changer de musique. Et on va aller. J'en veux plus de musique. J'en peux plus de musique. On va aller invoquer pour les gens. Il était temps, n'est-ce pas? Ouais, j'avoue aussi que si Raccoon n'avait pas joué, c'est possible, ouais. En vrai, il y a trop de problèmes avec ma team actuelle. Parce qu'elle n'est pas ruinée pour, quoi. Simplement, elle pue la merde, ma team. Bon. Elle pue la merde en termes de stats. Et de type de runage. Si tout était en wheel, etc., ça aurait été facile. Sur ce, je vais me connecter au compte des gens, les gens. Je sais que je viens de dire deux fois d'affilée les gens, mais c'est pas la même personne à qui je parle. Il y avait un, les gens, c'était vous, et l'autre gens, c'était la personne sur qui je me connecte. C'est vachement cool ce que je dis, waouh. Alors, on va commencer par le craft de rune, je crois. Ouais, pour changer, on fait toujours les summons avant le craft. On va faire le craft en premier. Shay, tu veux un pack de 12? Tu parles de pack de 12 quoi? De bière ou de vélin, de quoi tu parles? Eh, hey, merci Amine. Bah, bienvenue sur mon stream. Ah non, Afaku, CS, pas de PC ce soir, oui, c'est ça. Comment tu en appelles un avant? Le très tanky, le max rapide possible, mais surtout très tanky. En violent, idéalement. Non, Sierra, tu vas mettre de l'attaque un peu... Dante. Ou en sub, si tu peux faire speed HP HP, mais faut qu'il y ait quand même pas mal d'attaque en sub, tu vois. Ok. Alors. Je me suis concentré pire que tout pour écrire les mots de passe là. Parce que c'est bien les mots de passe, oui, il y en a bien deux. On va crafter des runes un peu. Escargot mou, ouais. Les summons, c'est pas compliqué. En vrai, moi, j'ai pas un milliard de demandes pour les invocations. Parce que je suis peut-être pas le meilleur invocateur. Et en gros, il suffit de me le rappeler le jour même, tu vois. Il y aura toujours du temps. Il y aura toujours du temps. Ok. On va du coup crafter des runes, c'est pas les vélins. Crafter que des violentes. Il veut des violentes. Suzuya Soz, il veut des violentes. Donc, où est ton clou de craft de rune? Là. Que des violentes. Ok. Chez Outière. Oh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal au cœur, je vous dis. Ah. Salut Misu, ça va? Une summon chez Outière. Ça fait mal, vous allez voir, je vais rattraper le bail aujourd'hui. Cette expression va disparaître. Ce soir, les gens ne diront plus jamais ça. Ils diront waouh, chez Outière, il a eu 18 sacnats. C'est énorme. Ah, bien ça. Ça peut proc à 20 speed. Allez, 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 allez. Donnez-lui une rune légendaire 6 étoiles et tout, genre un truc de fou. Ça peut proc à 14 speed. Ouais, Nojidar, ouais, c'était pas terrible. Hein. Ouais, c'était pas terrible.
Salut Zestar, ça va ou quoi? Oh dommage, l'attaquant innate. Bon, c'est une rune à réévaluer quoi, dommage. J'ai vu un 6 étoiles légendaire et tout, là je dis là, oh my god, trop bien. Et après, l'attaque pourcent en innate et tout, c'est un peu chiant. C'est un guillemette à toi, Suzuk? C'est un de tes amis pour qui je l'invoquais? Est-ce que t'as le stress aussi pour lui? Allez, on y croit, Sioz. Oh bien! Pas mal! Non, c'est pourri en fait. Enfin, non, ça peut être bien pour un monstre Nécropolis. Tu vois? Tocrit, précision, ça peut être bien. Je te la garde, mais c'est pas terrible ça. Eh, salut le Vix! Ça te dit? Ah ouais, ça me dit moi. Ça me dit toujours ce genre de truc. Hein. L'escargot qui m'a demandé? Ah oui, la semaine prochaine. Ok, d'accord. Pour la semaine prochaine, Suzuk. Ça. Waouh! Mec, celle-là, tu peux te piper quand même. Là, normalement, waouh! Elle est vraiment bien cette rune. J'en ai pas des comme ça, je crois. Si, peut-être une ou deux. Peut-être une, allez. Celle-là, elle était vraiment OP. Il faut juste éviter le PV flat. Genre, il faut vraiment l'éviter. Mais ça se fait. En vrai, ça se fait. Hein. Ça se fait d'éviter cette rune. Enfin, cette stat. Boomerang Light. Les boomerangs et les chakrams. Ne les jouez que si vous avez une paire toute seule, ça va pas jouer. Mais sinon, oui, dans tous les cas, la boomerang light, elle est trop OP, tu la joueras. Oh, pourquoi pas, un monstre nécro, il est content avec ça, je crois. Bah non, on va monter les runes à la fin, enfin, Sioz. On va attendre de savoir si Sioz veut monter les runes lui-même, ou s'il me dit monte les runes. Pas mal ça, ça dépend de lui. Salut Necros. Pourquoi pas. Bon, après ce stream, je vais voir des banques de sons pour voir d'autres sons que je puisse mettre sur YouTube tranquillement. Swerd, quelle est ta question? Et toi, tu te pipes souvent. Parce que le et toi, on dirait que tu fait référence à un message plus haut que j'ai raté et je ne vois pas le message d'avant. Pourquoi pas. Nozitroot, t'as quelques Swift à crafter? Je peux hein, si tu me passes tes logs. J'ai tes logs en plus. Tu veux que je te crafte des Swift? On a le temps hein, en plus hein. Il n'y a pas de speed, l'attaque en innate c'est un peu dommage. Mais elle est légendaire donc ça serait prise et tu pourras avoir plein de speed. Ok, ça marche. Sioz. Ouais, Zoupipolu c'est chiant. Hein. Ben, ce matin j'ai fait un stream où j'avais des musiques ben, copyright. Et ça strike. Ça strike sur Twitch. En tout cas, Twitch comme YouTube. Hein. Louise en raid? Non, on fait pas ça. Elle va sécuriser son raid, mais elle fera rien au boss, pas de debuff, rien. Ça vaut pas le coup. Bon, il reste un peu plus d'une vingtaine de runes. Le temps d'avoir 3 ou 5 légendaires. Non, elle est bidon. J'allais te la laisser pour un proc triple speed, mais je me suis dit, bon, allez, arrête.
Ah d'accord, ok Sword. En fait, j'ai oublié ce que j'avais dit juste avant, du coup je comprenais pas le rapport. Non, vraiment, mes crafts de runes sont pas terribles. Je te le dis honnêtement, mes crafts de runes et puis la merde. Genre, j'ai vraiment pas ça quand je crafte des runes, tu vois. J'ai pas des légendaires à chaque fois comme ça là. On a déjà écouté ça là tout à l'heure. Ah, j'ai cru qu'il y en aurait encore une 6 étoiles. Non, ça allait bidon. J'ai soif. Non. Bon, allez. Oh, je la garde. Pourquoi je la garde? Je suis pas assez cohérent en fait dans mes trucs. On va mettre. Speed. En vrai, je suis vachement tolérant sur certaines runes, et alors que la rune d'après, je vais dire non, c'est de la merde ça. Je suis un peu schizo. À ton niveau, faut combien de speed sur une rune mini pour que tu la gardes? J'ai pas de minimum de speed. J'ai plein de runes que je joue sans speed hein, et je la rajoute après. Si tout est bon mais qu'il n'y a pas de speed, c'est reste une bonne rune. Hein. M'en fous. Les gemmes de speed ça existe, après tu gemmes et tu meules, et puis voilà quoi. Et en plus, il y a des monstres qui sont en violent et pas très rapides, et ça marche aussi. Hein. Là, je pense surtout en fait aux monstres PvE par contre là. Mais ils sont importants aussi. Donc, pas besoin de un max de speed pour eux. Bon, de dernière rune. C'est fini. Ça se finit comme ça. Tristesse de vie. Malheureusement, t'as que des runes moyennes, genre le mec hyper difficile. En vrai, il y a deux runes abusées. C'est celle-là que les gens voulaient voir en premier, donc on va le faire maintenant pour que les gens n'aient plus une boule sur le ventre. Allez les gens, les gens. Qu'est-ce qu'on fait si j'ai aucun proc en PV flat? Il faut en parler. Ce serait la rune merveilleuse. Non, on veut 18 speed, 24% attaque. Non, 18 speed, 11 taux crit et 16% attaque. C'est un petit proc speed, bon. 4 proc mini. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous savez quoi les mecs? Je vais la laisser pour la fin, pour le suspense. Voilà, la rune elle est très bien comme ça déjà. Mais on va attendre juste pour que les gens soient très 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 tendus. On va la garder pour la fin. Hein, parce que là, elle faisait genre wouh. Mais on va la garder juste pour vous faire chier. Juste parce que je suis relou. Eh, j'ai des proc speed. Hein. C'est 90 Towa, c'est lequel le boss? Il faut que tu me dises 180 Julie, quel boss c'était. Oh bon, ça c'est pas terrible. En vrai, il y a plein de runes que je t'ai gardé, mec, pour que tu fasses le tri en fait. Je la montre juste pour voir si j'ai un triple proc crit là. Mais si, il y aura assez de mana. Les mecs, il y a 640 000 de mana. Restez calme. Hein. J'ai juste monté plus 6 d'autres runes pour voir. Bon, bah là, je vais pas la monter plus parce qu'elle m'a déjà saoulé. Faudra que tu fasses un peu le tri de ce que je t'ai craft. Je suis assez désolé, mec. Mais si, j'aurai assez de mana pour les runes. Artamiel, les 4 gorilles là. Il faut que tu fasses un max de stun et de dot. En gros, Barretta, Veromoss en base. Mav pour provoquer le boss. Et un anti-heal, ça marche très bien.
Colline marche bien pour ça en vrai. Elle te soigne et elle te. Elle met un anti-heal au Artamiel et aux autres monstres pour pas qu'il les soigne. C'est pas trop mal. Et il faut un break def. En vrai, en farmable, je pense que ça peut marcher. Barretta, Vero, Mav, Colline, Belladéon. Qu'on me dise que je me trompe, c'est très possible. Mais je pense que ça peut passer avec un peu de stun, un peu etc. etc. Allez, un dernier proc to crit pour la forme. On veut un 21 to crit là. Ah dommage. Bah en vrai ça fait une bonne rune pour Nécro ça. C'est pour ça que j'ai gardé la rune pour un monstre Nécro. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Fuck. Bon, tant pis, le reste je te laisse le monter, c'est moins intéressant. Et j'avance dans mon stream et j'ai des summons, donc je vais plutôt finir cette rune, je sais que vous vouliez savoir. Je vous ai fait chier pour rien. Mais je suis con, c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Là, tout le monde se frotte le front, tout le monde se dit oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain con. Il suffit que j'évite PV flat et la rune et les god tier. Et en fait, le secret pour éviter le truc comme ça, il faut faire amélioration x1 et pas x10. C'est un secret de ninja. Comment vous faites ça? Vous avez des runes de porc. NON! Pourquoi? Merde. On va faire x10 du coup. Merde. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Ah. Oh, proc 4 speed. Ça reste une bonne rune quand même, non? Honnêtement les mecs, ça reste une bonne rune. On peut pas se plaindre de ça. En vrai ça c'est quand même une super rune. Parce qu'en fait là, tu enlèves ton crit et tu mets HP pour 100. Et c'est une super rune pour tout ce qui est Ciara, Anavel, ce qui a besoin d'attaque, de vitesse et de PV et de précision en fait, tu vois. Est-ce que t'as une Ciara ou une Anavel? Bon, c'est aussi bien pour d'autres monstres. Malheureusement, t'as pas ces deux-là. Mais pour une Ciara, ça serait vachement bien. Mais même pour d'autres monstres, hein. Quand t'as 22 speed non mêlé, ça fait du 23 ou 24 speed. Dans tous les cas, c'est bon. Même pour un Théo, en attendant, ça c'est bien. Bon, les gens, je vais les crafter des runes pour un autre qui s'appelle Stokius. J'ai massacré ton pseudo, je crois, sans exprès. Nosis route. Ouais, j'ai dit n'importe quoi. Salut Simprit, ça serait bien toi. Aussi, ouais, tu peux aussi faire ça. Tu peux enlever le attaque pour 100 pour. Mais ça fait chier parce que lui il est pour 100 et l'autre, tu vois, je trouve ça quand même plutôt fort, 8% attaque. Les HP flat c'est chiant de les enlever parce qu'il y a un proc dedans en fait. Ça transforme la rune en une rune violette, c'est un peu chiant. Alors que ton crit en soi c'est pas forcément nécessaire sur certains monstres. Alors que tu vois, tu vas meuler l'HP flat, ça va passer à 1000 HP flat, c'est quand même beaucoup 1000 HP. Hein. Alors que 5% ton crit, si le monstre en soi a pas besoin de ton crit, bah voilà. Le giveaway, je l'ai pas fait, bordel de fuck. Bien joué, Cray Viper, j'ai complètement oublié. On va le faire en fin de stream. Merci, j'ai complètement oublié qu'il fallait faire le giveaway. Ouais, j'étais con. Merci, Cray Viper. J'ai tout préparé, hein. J'ai la liste des inscrits, etc. Mais j'ai pas encore fait le giveaway, je le ferai à la fin. Donc, je vais maintenant crafter des runes pour quelqu'un d'autre. J'aime bien dire ça à chaque fois. Désolé, Nozitrout. Je t'ai massacré. J'ai bien caché, ouais, c'est bon. Et on remercie Creo Viper de m'avoir rappelé ce qu'il fallait faire. Tu fais des petites semaines? Ouais, je fais des semaines, hein, des fois, Simprit. Non, j'ai pas écrit en fait, quoi. C'est bon.
Donc, Nosy Truth, tu veux des Swift. Et tu voulais aussi savoir pourquoi ton Deblis marchait pas et c'est quoi, on va le faire en stream parce que je t'avais dit que je le ferais après le dernier stream et je l'ai pas fait. Donc c'est pas bien. On va aller voir ton Deblis vite fait. Et je vais te dire pourquoi ça marche pas. Ok? C'est bien ça ta question, si je me souviens bien, tu me disais. Tu voulais savoir pourquoi ton Deblis marchait pas, si je me souviens bien. Pas terrible quand même. En vrai, ça a été pourri. J'aurais dû la jeter. Comment participer au giveaway? Il faut m'envoyer chaque semaine. Enfin, chaque semaine, il y a un giveaway. Et entre chaque giveaway, si tu m'envoies un screen de preuve d'achat d'Amazon Coins, eh bien, tu participes d'office au giveaway. Tu peux acheter genre 3 euros d'Amazon Coins et tu peux participer au giveaway de 5500 coins, ce qui correspond à 55 euros en gros. Voilà. Tu l'as envoyé il y a 4 jours. C'est quoi ton nom, Sashirai60? Que je te dise si j'étais dans ma liste, que je vais afficher maintenant. Tu sais quoi? Je vais afficher la liste maintenant. Et si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à me le mentionner. Comme ça, je vois où est le problème. Alors, participant. C'est pas ça, c'est. Je suis sérieux? Ah, je sais pourquoi. Oh, c'est chiant ça. Deux secondes. Ah, mais non, c'est bon, ça s'affichait. Ça s'affichait alors que j'ai ragé pour rien. Si vous n'êtes pas dans cette liste, les gens, envoyez-moi. Enfin, écrivez-le en fait, et je vais voir ce qui se passe. Je l'ai tenté, et soit il me reste que Vero Megan, ça passe de très peu, soit je réussis au la main. C'est quoi ta team déjà, Nosy Truth, que je réfléchisse pendant que je suis en train de faire cette rune? J'ai un fond vert, ouais, j'ai un fond vert, ouais. Bessie, t'es sur. T'es pas sur la liste là? Ok. Deux secondes. Beastie. Ah oui, tu l'as envoyé au début du stream, je l'avais pas vu, c'est que je l'ai pas vu, bien vu. Donc on va te rajouter 15. En effet, tu m'envoies un truc. Voilà. On envoie le screen sur Twitter. C'est le mieux pour moi, s'il vous plaît. Trixian, c'est quoi ton blaze sur Twitter? Oh, je la garde celle-là je la garde, je suis obligé de la garder. Ce matin tu me l'as envoyé? Tu peux me dire ton nom sur Twitter que j'aille voir? Niel Pops, je t'ai pas inscrit? Je suis le pire Seb du monde. Il va me falloir quelqu'un pour gérer mes MP, hein, je crois. Il va vraiment me falloir quelqu'un. Mais si, il va falloir que tu m'aides, je crois. J'en peux plus de galérer à ce point-là. Est-ce que vous pouvez, si vous n'êtes pas dans la liste, l'écrire et en même temps mettre votre pseudo Twitter? Trixian, je t'ai répondu. Du coup, tu dois y être. Je te vois. Et en effet, ouais, j'ai marqué nickel et je t'ai pas inscrit sur mon fichier. C'est-à-dire que je t'ai vu, j'ai répondu ah cool. Et voilà. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que je l'ai fait au réveil. Je suis allé voir mes MP Twitter au réveil. La bonne idée. Miel Pop, tu peux me dire du coup quel est ton identifiant? C'est lui, tabouret. Miel Pop, est-ce que t'es encore là? Je veux pas. Oublier quelqu'un en fait quand même. Et dans le cas où j'oublie quelqu'un, il faut me le mentionner. Et il est d'office pour la suite d'après sans preuve, sans rien. Mais c'est chiant quand même d'oublier quelqu'un qui a participé. Ouais, je suis bien sur BlueStacks, ouais. Et pour l'instant, les runes de notre ami Nosy Truth sont vraiment pourries.
Est-ce que je peux avoir quand même un truc avec speed plus 6 en sub? Même bleu, c'est bien. 4, ok, bon, c'est quand même pas forcément dégueulasse, mais bon, c'est pas le rêve. Miel Pops, Miel Pops, Miel Pops, Miel Pops. Je t'ai perdu. Miel Pops. Je t'ai vu que Miel Pops est là. Pourquoi je vois plus ton message? Yigourou Martin. Ton nom me parle. Mec, je sais qui tu es. Genre vraiment, ton nom me parle. Mais je t'ai pas inscrit au sud la semaine dernière? Oh, bien ça. Bien, bien. Je crois que je t'ai répondu et je t'ai inscrit pour ce manière, hein. Bien ça aussi. Pour le concours, non, je t'ai pas répondu en fait. Bien ça aussi, t'as des bonnes runes d'un coup là. Et en effet, je vois ton truc. Si je t'ai... Ah mais je sais pourquoi, c'est parce que tu m'as envoyé un truc qui date du 22 mars en fait. Et il faut que ce soit entre les deux dates de vidéo pour que ça marche. Ouais mais les runes flat c'est pas forcément très grave. S'il y a de la speed en sub pour un set Swift, pour une Chloé qui a pas besoin d'être tanky par exemple, ça fait le café. Mon Bernard par exemple, il a deux runes flat hein, en 4 et 6. Hein. Ça m'empêche pas de l'utiliser à chaque fois que je veux Lucian. Ça marche pour Bernard, ça marche pour Chloé. Les monstres qui ont juste un tour 1 à faire en fait, tu vois. Non, je garde pas que les runes qui ont de la vitesse, hein. Astral. C'est juste que là, par exemple, celle-là, je la garde pas parce qu'elle est bidon, enfin, tu vois, elle a rien de bien. Oh, bien, 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 bien. T'es pas convaincu, mais je comprends pas. Imagine, tu peux avoir 300 de speed avec des flats en 4 et 6. Pourquoi tu le ferais pas si Chloé par exemple, tour 1, elle a juste besoin de jouer en premier et après elle fait invincibilité tout ça et voilà t'as gagné quoi. Donc tu t'en fous hein, de la stat qu'elle a. Eh salut nos itroutes. Eh salut, je suis sur ton compte depuis tout à l'heure. Ah dommage qu'il n'y ait pas de speed là. Je vois pas quelle serait l'utilité. Donc je la garde quand même, mais je vois pas l'utilité. Y a pas de talk crit, y a rien. Enfin, en vrai, le Swift est hyper, hyper difficile. Oh, je la garde, ça fait 14 speed, je crois. Salut Nao Kurim. Salut Nao Kimaru. Ouais, j'ai vu un Mitsuo. En ce moment, il y a plein de screens. J'ai vu un Molong à plus 188 hier. En violent wheel, ça désespère. Hein. Non, ça devient désespérant. Bah, tu préfères perdre 5 speed pour avoir 5 HP de plus. Mais si les 5 de speed font que ton Bernard outspeed comparé au fait qu'il n'outspeed pas, en fait, tu gagnes vs tu perds. Qu'il ait 5 HP de plus, si t'outspeed pas, tu perds en fait. C'est comme une Chloé. Si elle joue pas en premier, bah, ça sert à rien. C'est pas... Je comprends ta logique pour certains monstres comme Moussa qui ont des tanky, comme on va dire un Frégate aussi qui est un peu de long terme, tu vois. Mais il y a des monstres comme Chloé, vraiment, Chloé c'est l'exemple parfait. Tu t'en fous de ses stats, enfin tu t'en fous. Alors, on va voir ton DB10 vite fait. On va voir ton DB10. Il faut que tu me rappelles ta team Nozitroot, Nozitroot, Nozitroot. Tu m'as dit que c'était Vero, Megan, Spectra, Sigma, Bella. Voilà.
T'es Megan, ça va, ouais. Ton véro, ça va, ouais. Ah, peut-être tu devrais inverser le violent de ton Bella et de ton Véromos. Je pense que c'est plus important le violent sur Bella Déon pour récupérer le strip et le soin. A ta place, j'aurais peut-être inversé les deux. Ah, vous avez pas les stats? Ah oui, j'avoue. Désolé, les gars. Désolé. Je recommence. Ça, Megan est comme ça, les gars. En Swift. En vrai, elle fera le café, elle a assez de précision. En tant qu'Ina, je pense, ça ira, en vrai. Par contre, en fait, son Véromos aussi est pas mal. En violent. Mais je pense que ton violent de ton Bella Déon... Enfin, inverse les deux, je pense que ça marchera mieux. Le violent sera plus important sur Belladon que sur Véro. Après, c'était Spectra. Si tu veux assurer ton truc... En vrai, je suis pas sûr que t'aies besoin d'un de précision. Et tu montes un peu le Tocrit. Pour qu'il casse des têtes au boss. Si t'as 50 précision, ça suffit, tu vois. Et t'as limite pas besoin de Seth Swift tellement il est rapide de base. Si tu le mets en vitesse quelque chose en mode 7, je jure ça marchera aussi. Après bien sûr il faut monter les runes etc mais ça marchera. Et le dernier c'était le Nozitroot, excuse-moi j'ai oublié ta team. C'était Sigma, on va voir ton Sigma. Ah trop squishy. Là il doit mourir lui. Il doit vraiment mourir, je pense. Il faut que tu réussisses à lui faire gratter des HP. Il faut que tu trouves au moins de gratter des HP là-dessus. Mais sinon, je pense que t'es pas loin, mec. Mais lui, il se fait défoncer par les cristaux, je suis sûr, lui. Non ? Je pense que c'est ça. Il faut juste que tu inverses le violent de ton Véro et ton Bella, je pense. Et que tu rentres ton Sigma plus tanky. Et je pense que ça peut marcher, en vrai. Voilà, voilà. Bon, les gens, il faut que j'aille invoquer. Il faut que j'aille invoquer. Ils ont fait Colin, Lucien, Xiaolin, Rigel pour Necro, ça marchera. Mais je pense que t'as pas forcément besoin de Xionfei. Ah, c'est surtout Spectra qui prend. Pourtant ton Spectra était assez tanky je trouvais. Plus 10 000 HP et quelques. Ça m'étonne ce que tu me dis là. Donc en premier c'était pour la summon. Ah il y a Sachirai qui m'a envoyé un... Accepté. Tu m'as rien envoyé Sachirai hein, comme Infinity. Tu m'as rien envoyé comme image. Ao Nozomi, je viens de voir ton MP. Nickel, je te rajoute. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai un autre MP. Ouais, je peux t'inscrire pour le giveaway aussi. De Nodin Julien. Il y a eu plein de gens qui sont inscrits en fait. Hein. Ok. Et Malfus. Désolé les gens qui sont sur le stream. J'aime pas cette musique. J'ai recruté quelqu'un pour gérer ça. Ah, il date un peu trop ton screen, Malfus. Par contre. Je vois pas ton message privé. T'es là encore ou pas? Quelqu'un qui voulait que j'invoque pour lui depuis le début. Avec un pseudo qui commençait par Kain quelque chose. Je vois pas ton MP avec Elon. Je vois pas tes logs, mais du tout même.
Bon, bah, de toute façon, dans tous les cas, j'ai une autre summon à faire. Donc, on va la faire. Mais je crois pas avoir T-Log. Ou alors, c'est lui. Juste son pseudo est très différent entre Twitch et. Voici, il m'a envoyé à 20h07, ça doit être le même. C'est des astibili... Ça me déstabilise quand le pseudo est très différent entre Twitch et Twitter. Ah, Zayden, c'est toi ? Zayden, est-ce que tu t'appelles Crown sur Twitter ? Et Saishiro, en effet... En effet, ouais, en effet, nickel. C'est Shiro. Ouh! C'est Shirai. Voilà, donc si des gens ne sont pas dans cette liste pour le giveaway, dites-le moi. Enfin, surtout si vous êtes dans les conditions pour participer. Ok, merde. Du coup, j'ai pas tes logs, Zayden. J'ai vraiment besoin d'une secrétaire, ouais. Mais franchement, je vais accepter ton aide, BST. Parce que là, c'est un désastre. C'est vraiment un désastre. Il voulait que j'invoque Pustamat. Crown. Je vais faire Pustamat. D'abord. Ok. Faut faire vite parce qu'il reste plus que 15 minutes pour le stream. Mais Xaden, tu m'as rien envoyé. Hein. Renvoie-moi un message à Xaden là. Essaye de me spammer pour voir. Mais t'es ni dans mon spam, ni dans mes. Ni dans ma liste. Ok, je fais aussi les VM. Je crois que tu te trompes de chez Izu peut-être. Non, je pense pas, mais. Le psamat qui tombe sur les valets mystiques. Pas du tout. Pas du tout. Non. J'ai failli acheter les trucs à 300 cristaux là. Ça m'aurait vraiment saoulé. Mais je suis sur Twitter, hein, les gars. En fait, là sur ma tablette, en face de moi, il y a mon Twitter d'ouvrier. Ah, bah c'est bon. J'ai enfin reçu un MP de Xayden. C'est bon, j'ai reçu TMP. Nickel. C'est bon, je vois tes lobes. Oui, tu me spam. Nickel, Xayden. Ouf, on aura réussi à s'en sortir bien tant que mal. Re-exo, Etorex. Au fait, chez Izu, pourquoi ce pseudo? Au premier jeu sur PC en ligne sur lequel j'ai joué, j'ai dû trouver un pseudo. Et j'ai pris deux syllabes qui, pour moi, sonnaient bien. Et voilà. Voilà. Il n'y a pas de truc autre que ça. Qui est à la place de Zonfei? N'importe quel attaquant en vrai. En gros, je pense qu'avec Colin, t'avais assez de soins. Tu prends n'importe quel truc qui fait assez de multi et ça gagne. Je vous le dis, les gens, moi j'ai ouvert mes pierres, j'ai eu Mei Yuang à la place de Psamat. Donc si j'invoque un 5 nat autre. Enfin, en gros, si j'invoque Psamat, j'ai le seum. J'aurai le seum. C'est Dragonica le jeu auquel j'ai joué à l'époque. C'est-à-dire Dragonica. Alors. Je te souhaite un Psamat, hein. En vrai, hein. Je te souhaite Psamat, mais j'aurai le seum de ouf si j'invoque Psamat pour quelqu'un d'autre. Oh, merci pour le sub, What is been. Parce que j'ai jamais invoqué Psamat. Vraiment. Ne serait-ce pour un viewer, mais encore moins pour moi-même, bien sûr. Ouais, j'avais déjà Mei Yuang. J'avais déjà. C'était un doublon, donc je m'en foutais du doublon. C'est juste que c'est tellement rare d'avoir un 5 nat dans les pierres que c'est dommage de pas avoir le bon. Mais en soi, le fait d'avoir un doublon, c'est bon. J'ai beaucoup de 5 nat, donc c'est normal que j'ai doublon. Bon, ben mince, désolé, j'ai pas eu ton Psamat. Je te fais celui-là.
J'avais dit que je changerais la rumeur des summon chaise outière. Kraon, je suis désolé, c'est pas pour toi l'heureux Psamat. Elzozu, tu m'as envoyé un screen sur Twitter? Demande. Ouais, Maxime, en effet. Merci pour le sub, Milo. Nickel. Elzozu. Et merci pour le sub, hein. Ça fait très plaisir. Tout le monde est content. Il y a beaucoup de participants maintenant, là. Il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que les gens qui étaient inscrits avant, ils disaient « Oh putain, fait chier, c'était mieux avant. » Là, il y a trop d'inscrits, c'est chiant, il y a trop de primo. Et je crois aussi qu'il y a un autre mec qui m'a demandé de s'inscrire pour le giveaway. C'est vraiment la dernière fois que je gère ça moi-même, ok? C'est vraiment la dernière fois que je gère ça. Et ok, il y a aussi MCRW. Putain, ça fait du monde, hein. Et merci, est-ce que j'ai dit merci à Odis Beans? Ouais, si, je l'ai dit. Et à Milenio, ouais, j'ai dit. Ok, du coup je vais invoquer pour notre ami Xayden, pour qui malheureusement j'ai pas vu ses messages en fait. J'avais vraiment pas vu ses messages. Donc alors, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai vu tes messages, tu m'en envoyais plein en plus lundi. Je les ai vraiment pas vus. Nice. Je vais faire la summon de Xelastero. Je crois pas. Je crois pas là. À moins que j'ai oublié un truc, mais je crois pas que ce soit Xelastero. C'est Xayden là. Mais si c'est prévu, Naditus, dis-le moi, j'ai peut-être oublié. Salut Alpaga. Je sais pas. Peut-être que je dois le faire. Peut-être que c'est dans quelques semaines, je sais pas. Parce qu'il y a des gens qui me demandent des summons genre 3 semaines en avance. Mais j'en ai aucune idée, moi. J'en ai vraiment aucune idée. Vaut mieux que j'en faille pour R4. Hein. T'as lead def avec. Ok, bon. Ok, Xayden. C'est une petite summon, mais t'inquiète pas. Il va y avoir trop de trucs bien. Nozitrout, je disais juste que ton Sigma était trop squishy. En gros, faudrait que tu trouves quelques HP en plus. Tu vois, on parle de 1500 HP en plus, tu vois, un truc comme ça. Parce qu'avec son leader skill, ça va, il en a un peu plus. Mais il était quand même un peu squishy. Oh my goodness. Oh. Non. Je me prépare à Psamat. Vu que c'est la semaine de Psamat, je me prépare à avoir des Psamat partout. En fait. Dès qu'il y a un éclair, je vais dire, oh, c'est Psamat. Oh putain, c'est Psamat. Même si c'est pas sur les pierres, hein, je me dis, oh non, c'est Psamat. Oh non, non, non. Allez, allez. On lui veut un 5 nat quand même. Le pauvre, il a confiance. C'est pas un mid, justement, merde. Ça parle dans mon dos et tout, genre, je lis pas le chat. Je lis le chat, ok? Et c'est pour ça que j'invoque Julien. C'est vachement bien, Julien. Allez là. Oh. J'étais exaucé. Oh bordel de merde. Ah. Allez. C'est pas fini. Il va pas rentrer bredouille avec sa tétra. Pas de ça chez moi. Non, Xayden, t'inquiète pas. I got this.
T'inquiète pas, t'inquiète pas. Arrête de summon pour les viewers, les pauvres. Mais c'est ce que je dis à chaque fin de stream. Et entre chaque stream, il y a plein de gens qui me demandent d'invoquer pour eux. Et c'est ça qui est triste, tu vois. C'est que je préviens les gens, je leur dis non, 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 non. Mais c'est pas fini. On a encore la foi. Tant qu'il y a de la foi. Tant qu'il y a de la foi, c'est bon. On s'approche de la fin, mais il y a encore de la foi. Allez, une petite feuille. Je sais pas quel dieu j'ai offensé pour avoir une RNG aussi pourrie, mais c'est pas la vraie vie. Hein. Ah bordel. Ouais. On parle d'un bon rip là. On parle d'un bon rip là. En fait, je suis sûr, il se dit putain, j'aurais jamais dû lui donner mes logs. Et normal, je suis désolé. Orion, c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, Orion. C'est pas mal du tout. Et je crois que j'ai fini pour ça. Désolé, Xaden. Désolé. On va commencer à préparer le giveaway, les gens. Je vais mettre un run en fond pour pas que ça soit trop vite le stream. Et pendant ce temps, on va faire le giveaway. Ok. En fin de stream. Comme si c'était tout planifié. Ouais, Yuzo, ce sera sur YouTube ce stream. Ce sera sur YouTube. Je vais upload le stream demain dans la journée. En fait, mes streams sont en général le mercredi après-midi. Vers midi. Alors, je vais vous préparer le petit logiciel qui va tirer au hasard. Pourquoi je parle comme ça, je sais pas. Mais... Pourquoi ça lag là? Alors, numéro aléatoire. Random number, parce qu'on est vachement bilingue en fait. On est vraiment des ouf. Pourquoi ça lag là par contre? Pourquoi est-ce que ça lag? Merde, je suis con quoi. Oui, je suis con. Oui, la réponse est oui, hein. Vous pouvez le dire. Vous pouvez dire que je suis con. Voilà, il y a un bout, tant que c'est l'essentiel. Il y a donc 21 participants, les gens. C'est bien ça, hein, je vérifie. Il y a bien 21 participants. Donc max entre 1 et 21. Le regagnant, le ouf de la life, celui qui remporte 5500 coins avec lesquels il pourra s'acheter un pack Devilmon ou autre chose. Certainement un pack Devilmon ou autre chose. Et... le numéro, je vais cliquer, attention, attention, je clique. Maintenant, dans 3, 2, 1, go. Le 8. Et le 8, c'est Dr. Doobie qui gagne 5500 coins. C'est, en vrai, c'est cool. On rigole, mais en vrai, ça fait super plaisir quand tu gagnes 5500 coins. Voilà, voilà. Ça finit sur une belle note pour notre ami. Pour notre ami Dr. Doobie. J'ajoute Doobie.
GG, tu es gagnant. Tu es le regagnant. Et sur ce, moi j'ai fini mon stream. J'ai fini mon stream, c'est fou. Dédéfion, est-ce que t'es dans la place? Hein? Est-ce que t'es dans la place, Dédéfion? C'est 5500. 5500 coins. C'est quoi cette musique? C'est SVP. Cette musique s'appelle... Je vais remettre la musique sur mon stream. Runaway de Joe Cohen and Sex Whales. Fais un clip de ce que je viens de dire et écris-le. Désolé, j'ai la flemme de l'écrire. Dédéfion, est-ce que t'es dans le game? Dis-moi que t'es dans le game, s'il te plaît. Dédéfion est demandé à l'accueil. Est-ce que je peux copier le nom? Ouais, je peux copier. Oui, je suis bien développeur, ouais. C'est ça le nom de la chanson, voilà. Je suis gentil, hein. T'as même la date à laquelle je l'ai ajouté dans mon iTunes et tout, c'est pas ouf. Mais Dédéfion, il demandait à l'accueil. Dédéfion, t'as changé. T'as changé, Dédéfion. Parce que moi, je vais pas lancer la pub si tu me dis pas que t'es prêt. Dédéfion. Ça se trouve, imaginez, il a une, genre, un gros crash de sa connexion internet et il peut plus stream de sa vie. Vous avez pensé à ça? Non, rien pour la musique. De toute façon, je vais rajouter la musique quelque part sur mon stream. Je sais pas où, mais je vais trouver un moyen de rajouter toutes les informations dans lesquelles j'ai envie, en fait. Il y a plus d'infos que j'aimerais afficher sur mon stream, mais j'ai aussi envie d'avoir une interface épurée. Et c'est plutôt dommage. Est-ce que j'essaie de récompenser mes top donateurs en mettant la phrase comme les streamers et tout? Enfin, les autres streamers, les streamers qui sont dans le monde du stream. Ah, il papote tranquillement. Ok, tout va bien. Tout va bien. Bon, ben, je vais quand même lancer la pub, les gens, parce que après, il va dire qu'il est en retard à cause de moi et que c'est moi qui plombe la team vers le bas, etc. Et ça, c'est chiant quand même, c'est chiant ça. C'est chiant ça, en vrai. Ça, c'est plutôt chiant. Moi, ça me fait pas rire, ce genre de choses. Qu'est-ce que je fais comme langage? Je fais principalement du Swift en ce moment et du Java, maintenant Android. En fait, je fais du mobile, quoi. Il est où ce truc? Il est con, quoi. Il est là. Donc, les gens, je vous mets 3 minutes de pub. Parce que c'est la règle. C'est comme ça que ça se passe. Oups, my bad. Et je continue de parler pendant ce temps parce que c'est rigolo. Et bonne soirée à vous. J'espère que vous avez passé un bon stream malgré le manque complet d'organisation de ma part. C'est très dommage. Je vais m'améliorer. Je vous le dis. Je vais m'améliorer. Mais pour l'instant, c'était pas ouf. Ah, j'ai fait pas mal de rubis. C'est bon, il y a des défiants qui est là. Et j'ai lancé la pub. Tout le monde est content. Il reste donc 2 minutes 10 de pub. À demain midi. Non, non, pas demain midi. Pas demain midi. Ah, je suis belle, sérieux? Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bah, merci, merci, je t'ai pas tant eu des choses bien, Zedel. J'ai essayé pourtant. Il reste 90 secondes de ce coup. C'est merveilleux, restez là. Des défis qui arrivent. Aussi vite qu'il peut. C'est quoi la musique là? Voilà, c'est bon. Là,
J'ai assez de fois cette question aujourd'hui pour la mettre en gros sur mes prochains streams. Demain midi, je préfère la semaine. J'ai pas de stream demain midi. Hein. C'est, c'est BST qui a dit ça. Non, c'est Nissim. Non, c'est BST, ouais. Qui a dit ça, mais il n'y a pas de stream demain midi. Et vu vraiment ce que j'invoque pour les gens, arrêtez de me demander d'invoquer. C'est malsain. C'est vraiment malsain. Et vous le savez que c'est malsain en plus. Encore 1 minute 10 de publicité. Enfin, dans tous les cas, je stream pas demain. J'ai pas de créneau de stream le mercredi. Je stream moi le mardi soir. Et des fois par-ci par-là, mais c'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est pas genre. Oh, demain je stream. Et voilà, la pub est finie. Passez une bonne fin de stream avec tout le monde de la team. Et moi, je vous fais des bisous. Et merci de m'avoir suivi, supporté pendant 2 heures. Bye bye.